Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Final Fantasy VII Remake. On s'était laissé ici la dernière fois à la gare avec Cloud et Tifa, où on s'était préparé tout simplement nos matériels, nos matérias, etc. etc. Pour justement, bon, on voit Barrett là-bas au fond, hein, je sais pas si vous le voyez là-bas au fond, pour se préparer pour la nouvelle mission sur laquelle on a été enrôlé, pas de force, mais on a été enrôlé suite à la blessure de Jesse. Suite à l'attaque de ces fameux specs, de ces fameux serpillères, hein, comme l'appelle Barrett. Du coup, on avait fait le petit check avant de justement s'attaquer au réacteur numéro 5. On avait gardé la lame d'acier malgré qu'on avait amélioré l'épée broyeuse et que l'épée broyeuse en attaque physique faisait très très mal. Mais on perdait en PV et on perdait en attaque magique. Et on perdait surtout... C'était un emplacement de matériaux. Maintenant, si on a besoin d'un de deux emplacements qui sont liés pour justement effectuer des attaques ou améliorer des choses, comme on peut voir avec, comme on peut voir avec Tifa, qui elle justement a auto-soin et soin. Donc ça, c'est voilà, sur un emplacement lié, ce qui va soigner automatiquement nos coéquipiers. Enfin, qui va me soigner automatiquement les coéquipiers sans que je fasse quoi que ce soit 3 fois par combat. Et quand elle sera évoluée au niveau 2, elle servira jusqu'à 10 fois par combat. On a aussi mis Barrett. Du coup, on lui a mis quant à lui un bracelet astral parce qu'il s'attaque à distance. Donc du coup, pour qu'il évolue beaucoup plus de matériel, comme ça on fait évoluer les matériels, c'est le but, hein, c'est le but de cette vidéo. Par contre, Google, s'il te plaît, ne te mêle pas de cet épisode, s'il te plaît, désolé. Hein. Donc du coup, on est parti, on a tout le nécessaire et on est parti pour cette mission avec Barrett. C'est parti. Bon, on commencera la mission dès qu'on sera dans le train. T'es prêt à y aller, j'espère? Oui, tout est prêt. Biggs, j'espère qu'il s'en sort là-haut. Faut qu'on se dépêche d'aller le rejoindre. Et un autre jour, ça marcherait pas? La machine est lancée, c'est trop tard pour l'arrêter. Trop de gens sont impliqués dans cette opération. Et puis, on a posé un ultimatum. S'ils arrêtent pas les réacteurs, on en refait sauter un aujourd'hui. C'est leur faute qu'ils assument. Restez tranquille. Des mesures extraordinaires ont été prises pour assurer la sécurité des installations et du public. Pour ces raisons, les horaires des trains sont fortement perturbés. Notre arrivée à la gare du secteur 4 est donc prévue avec un certain retard. On va se faire le réacteur numéro 5. À partir de la gare, on se faufilera par les ruelles. Quand on sera dans l'enceinte du réacteur, on fera comme pour le numéro 1. On va jusqu'au réservoir. Exactement. Et boum, on le fait exploser. Jesse et Wedge comptent sur nous. Va falloir se débrouiller sans eux. Ouais. Ok. Eh ben dis donc, il n'y a pas grand monde. La nouvelle s'est répandue, et bien plus vite que Biggs ne l'avait prévu. On se fera repérer si on est ensemble. Vous deux restez ici. Bon, bah visiblement, l'objectif est bien le réacteur numéro 5. Du coup, Barrett s'est écarté du groupe pour pas qu'on soit...
repéré, mais bon, avec l'épée qu'on se travaille quand même. Du coup, on va essayer de parler à Tifa, non ? Cloud. Attention, nous arrivons à la zone de contrôle d'identité. C'est la première zone de contrôle. Ça devrait aller, non ? Je sais bien qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais ça m'angoisse quand même. Bon. Tu veux pas aller voir s'il y a pas de problème dans le wagon d'à côté? Ça me tracasse un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête, tu sais. Il est généralement assez irritable avant une mission. J'ai peur qu'il fiche la trouille aux autres passagers. T'inquiète pas. S'il te plaît, Cloud. Tu veux bien me rendre ce service? Je reviens tout de suite. Je te remercie. Ok, du coup on doit aller voir Barrett qui ne fasse pas de bêtises. Du coup Tifa est partie de l'équipe. Barrett est juste là. Et maintenant, vous continuez à les soutenir. Il y en a plus que marre. Avalanche est une plaie. Hein? À cause de leurs menaces, tous nos services sont désordonnés. Les gens sont complètement affolés! Mais je me battrai! Non! C'est tous les employés qui se battront! Les réacteurs continueront de tourner! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? S'il y a un problème, je vais te dire un truc. Non, ça va. C'est très bien que ça vaut pas le coup. Ta 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 tam 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 ta tam. D'accord, mais cette personne, c'est pas la personne qu'on a vue au départ. Mais dis donc, quelqu'un a oublié sa matéria ici. Dis donc, c'est pas bien. Quelqu'un pourrait la prendre. Une matéria de soins, une. On va essayer de reparler, c'est à Barrett, du coup, voir ce qu'il a à dire. Où est Tifa? Tu ferais mieux de pas la laisser seule. Ouais, non, mais t'inquiète. Oui. Vous n'avez rien à redire, pas vrai? Non. Du coup, l'objectif me dit d'aller là-bas. On va aller là-bas. C'est pas par là que tu dois aller. Ah ouais, mais l'objectif me dit d'aller là-bas. Bon, bah, visiblement, on doit rejoindre Tifa. Allez, on y go. Ok. On va aller rassurer Tifa. Elle est où? Ah bah elle est là-bas. Notre belle Tifa. Contrôle des identités en cours. Mais pourquoi se passe? Contrôle des identités en cours. Il y a un deuxième contrôle? C'est ça que je comprends? Carte suspecte détectée. État d'alerte déclenché. Contrôle du dernier wagon imminent. Début du ratissage de sécurité. Oh non! Venez par là! On se grouille! Cloud, détruis ces appareils! Je m'en occupe. Allez, du coup, on y va dans 3 minutes apparemment. Il y a un contrôle je sais pas quoi. Allez, hop, 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 hop. On se met en... Bravo, parce qu'on fait beaucoup plus mal en bravoure. Hein. On a débloqué la compétence. Allez, il est en choc. Bim. Et du coup... Alors, attends. Ah, là. Alors, attendez. Je fais mon travail. Voilà, on a gagné un gain de niveau. Du coup, triangle, on doit se barrer, je pense. Je suis un employé de la Shinra, votre ennemi. C'est pas le moment. On veut protéger tout le monde. S'il vous plaît. Dans ce cas, je m'occupe de ce wagon. À mon tour.
Bonne observation, monsieur le soldat. Laisse tomber. Hein? La gare sera sûrement encerclée. Il faut qu'on saute. T'es malade! Il suffit de faire freiner le train. Alors on passe au plan E de Biggs. Bon, bah décidément, on n'a pas le temps de se reposer. Tout de suite, on se met en bravoure. Tifa a rejoint l'équipe, donc ça, c'est bien. Ah, merde. Alors, on change de personnage parce que... Apparemment, Cloud, il a été... En... On reprend Cloud. Avec Tifa, on va faire un piqué du talon. Avec Cloud, on va faire un petit enchaînement. Bim, bim, bim. Mais c'est qui, en fait, c'est qui analyse là? C'est Tifa ou... Alors attends. Ah non, c'est pas Tifa, c'est Barrett qui analyse. Allez, il y en a encore un. Alors on se met en bravoure pour faire beaucoup plus de dégâts. Puisque je le rappelle, on a débloqué la compétence. Voilà. Eh ben, on va aller, mais d'abord, fouillons. Ah, tu vois, on se repose, Barrett attendra, nous allons fouillons. Cela ne veut rien dire. Nous allons fouiller et nous allons surtout voir s'il n'y a pas des petites promos. Non, il n'y a pas des petites promos, donc je regarde, attendez, hein. Permettez-moi. Alors, il n'y a rien à casser ici, il n'y a pas de caisse, rien du tout. Allez, bah du coup, on va rejoindre Barrett, on est parti. On arrive. Du coup, ça sera la première fois qu'on aura les trois personnages. Ah, là. Sans toi, je me serais blessé. Je t'en prie, tu es légère. Coffre. N'importe quoi. Mais dis donc, ça se rapproche entre Cloud et Tifa ou c'est moi? Oula! Il va falloir que je fasse gaffe aussi au véhicule? Au train? Splendide, oh oui! Ils ont donc passé la phase de nettoyage. Oui! Cette vermine est tenace. Vous avez laissé le troisième en vie, j'espère. Il est pris au piège. Laissez-le rejoindre les deux autres. Bien, à vos ordres. Je suis toujours affairé et impressionné par l'expression des visages des personnages. C'est surtout des personnages principaux. Hein. Je parle, c'est vraiment hallucinant le taf dessus. Donc, du coup, apparemment, ils veulent jouer avec nous. Ouf, j'ai cru que c'était pour moi. Ils sont là. Je serai sans pitié. On a trouvé les suspects. Allez, hop. Ah bah, visiblement, Barrett n'est pas encore là. Allez, il est en choc. Du coup, bim. Allez, on va faire un petit enchaînement pour toucher un petit peu tout le monde. Voilà. Allez, un deuxième petit enchaînement, hein, pourquoi pas. Ah bah, ils sont tous morts. Eh bah, bravoure. Voilà.
c'est du fretin tout ça. Donc du coup, on va aller voir ici, voir s'il n'y a rien à checker. Il n'y a rien du tout, d'accord, ok. Alors attention, train-train. Ah, c'est... n'est-ce pas une petite matéria là-bas? Où je suis aveugle? Non, je suis aveugle. Ah bah il est par là, d'accord. Mais bah, attends, y a pas un petit truc à fouiller là? D'accord, ok, mais d'abord, attends. Ah, ok. Ouais. Les machins commencent franchement à se faire chier. Si je les attrape, je vais prendre un malin plaisir à leur attraper. D'accord, mais d'abord, attends. On va fouiller. Non, c'est bon. Allez, du coup, on va rejoindre Barrett. On est parti pour traverser cette cet endroit. Pourquoi tu gueules comme ça, Barrett? Faut vite l'aider. On y va. Allez, on y est. Vous voilà. Suspects en vue. Ils sont trois. On doit les capturer. Ah, du coup ils sont où? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est quoi? Bon, allez. Oula. Allez, on va se mettre en un petit enchaînement. Bim, bim et bim. Allez. Hop, hop. Alors, on va se refaire un petit enchaînement rapide parce qu'il y en a un, il est presque mort. Voilà. Allez. Voilà. Alors, attends. J'espère qu'on a réussi à les... On va fouiller un petit peu. Il n'y a rien ici. On va vérifier le trajet et on va reprendre la mission rapido sans problème. Donc on va suivre le plan E. Je t'écoute. Normalement, on devait suivre le plan A. Il consistait à aller directement au réacteur Mako à partir de la gare. Maintenant, on n'est plus en position de faire ça. Mais c'est pas grave. On avait prévu plein d'autres plans au cas où. Suivant la distance au réacteur, on a le B, C, D, etc. Ça va jusqu'où comme ça? Jusqu'à E. Comme etc. On a de la veine. On a pris la ligne du secteur 4. Elle relie le pilier principal au plateau du secteur 4. Et là, on est à côté... sur la ligne du réacteur numéro 5. On va commencer par suivre la voie en direction du réacteur. Mais attention, on ne va pas jusqu'à la gare. On va bifurquer en cours de route. Les gares des réacteurs sont trop risquées. Je suis sûr qu'elles vont grouiller de gardes Shinra dans tous les coins. C'est par là-bas. Nos camarades du secteur 5 ont marqué le chemin. On risque pas de se perdre. On y arrivera, j'en suis sûr. Mon intuition ne me trompe jamais. Oui, nous avons déjà commencé l'opération. C'est un peu plus tôt que prévu, mais la situation est sous contrôle. Bien sûr, tout se passera comme vous l'avez ordonné, Président. Oui. Faites-moi confiance. Merci. Excusez-moi. D'après le dernier rapport, l'analyse des données avance à un bon rythme. Cependant, les pertes sont plus importantes que prévu. Nous craignons que... Mais à quoi êtes-vous donc payé, bande d'incapables? À vous lamenter inlassablement sur le passé? Hein? Il y a des pertes. Qu'est-ce que ça peut me faire? Il faut savoir sacrifier ses pions, parfois. Si vous n'en avez plus assez, vous n'avez qu'à en faire venir autant que nécessaire du secteur 3. Ça vous fatiguerait de faire preuve d'un peu de chuchote de temps en temps? Hein? Compris. C'est dur de travailler avec des subordonnés incapables. Sur ce point,
On peut dire que le président est très chaussé. Il peut compter sur moi pour exécuter ses ordres. Bon, visiblement, on est sous la surveillance de Endanger, qui nous surveille. Barrett nous a rejoint, donc du coup, bah go, on a 1110 mètres à faire. Donc, on y va. Mais attends, est-ce que derrière... Non, 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 on a rien oublié. Ah, ici, il y a une petite porte. Du coup, on va fouiller. Hein. On est là pour fouiller avant tout. La fouille, la fouille, la fouille. Ah, voilà. Petit coffre, petit bloc, petite boîte. Voilà. Un élixir. Bah voilà, ça vaut le coup de fouiller. Donc du coup, on y va. Alors ce passage risque d'être peut-être long. Je ne sais pas, on va voir. En espérant de ne pas se faire écraser. Le chemin est indiqué par le chien de la Shinra. Regardez bien les murs. Le chien ? C'est un la mascotte. Son museau indique la direction à suivre pour aller jusqu'au réacteur numéro 5. Regardez aussi les feux de signalisation. Il faut qu'on avance dans le sens des feux bleus. D'accord. Donc on est bon là. Donc là, ennemi, 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 ennemi. Vous croyez vraiment que vous arrêtez ? D'autres ont essayé. Donc du coup, on va faire un petit sort d'extra feu. Ah, Barrett, il l'a pas encore. Donc on va prendre Barrett. Voilà. On va faire... Ah ouais, on doit monter les compétences de choc combustible de Barrett. Donc du coup... Voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà, encore une fois. Voilà. On a une bonus de maîtrise en plus. Allez, encore une fois. On va le faire pour vraiment l'augmenter. Allez, c'est bon. Voilà. Le réacteur est dans la direction des feux bleus. Ok, mais d'abord, fouillons, 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 fouillons. Ici. Ah, Google. Je suis désolé, hein. Mais Google veut se manifester et apparaître dans cette vidéo. Ah, des rats. Il y avait longtemps, tiens. Allez, sans pitié. Allez, les rats, bon, bah, j'en fais mon affaire. Bim, bim. Voilà. Un petit coffre. Et un pendentif étoilé. Alors, à quoi correspond-il ? Immunise contre l'altération d'état de poison en combat. Ça serait intéressant. Cela veut dire qu'on va avoir besoin de ça très rapidement. Très 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 rapidement. S'ils l'ont mis, c'est pas pour rien. Voilà. De toute façon, dans un jeu vidéo, croyez-moi que s'ils mettent quelque chose qui vous protège, surtout dans un RPG, quelque chose qui vous protège... La couleur des feux de signalisation. Oui, je suis pas idiot, Barret. Qui vous protège d'un état de poison ou autre chose, sachez que c'est que vous en avez besoin dans pas longtemps. Du coup, on va se mettre un petit peu à courir hein, quand même, parce que... Mix nous attend en haut. Il était censé avoir l'aide de Jesse, oui. Alors il doit en baver tout seul. Oui mais attends parce qu'il y a encore un des ennemis là. Bip bip. Oh, oh mais il y a des petits chiens. Allez, vas-y. Alors on va se faire un petit sort d'extra soin. Voilà, il est en choc. Ah merde. Là. Alors Barrett, il va me faire son choc combustible. Oula, attention parce que... Alors, vous avez vu l'auto-soin de Tifa? Voilà. Elle m'a auto-soigné. C'est très 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 efficace. Allez, état de choc, et boum. Oh, il y en a encore un, je l'avais pas vu.
Voilà. Belle victoire. C'est fait. Donc du coup, on a eu les caisses. On a eu les caisses. Mais là, on a une autre entrée. Donc du coup, on va aller voir. Fouillons. Bim. Alors, un autre petit coffre. Les tables, au revoir. Un éther, c'est toujours bien l'éther. On restaure les PM. Voilà. Voilà. Ah, des autres boîtes. J'aime bien les boîtes. Allez, du coup. Ah, le train c'était au-dessus. J'ai eu peur. Ça m'a fait peur hein, quand même, ça m'a fait peur. Ah, du coup, c'est par ici. Mais par là, il y a quoi par là, s'il vous plaît? Hé, hey, où est-ce que tu vas? Bon, bah, ok, on peut pas y aller, du coup. Visiblement, ici, il n'y a pas de coffre. Ah oui, le tutou. Reste plus qu'à se fier à sa truffe. La direction du museau de Stamp indique le chemin à prendre. Il suffit de suivre les graffitis. D'accord. Bon, du coup, c'est ce qu'on va faire. Alors, ici, il y a des rats. Allez, comme il l'a dit Cloud, j'ai pas le temps. Bim, bim, et bim. Voilà. Hop. J'ai pas le temps. Allez, les caisses. N'oublions pas les caisses. Fouillons. Toujours fouiller. Des caisses. Encore des caisses. On descend. Ah, c'est quoi? Ici, un coffre. Je trouve ça dégoûtant. On dirait des sortes de nids. Ouais. Les créatures qui vivent dans le plateau ont l'air de subir les effets de la Mako. C'est à cause de la Mako? Ouais. Nouvel ennemi. C'est plutôt à cause de la Shinra. Tout est si simple dans ton petit monde. Tu m'en rigues, hein? Si tu veux, je te le fais découvrir. Je vais y réfléchir. Donc du coup, je pense que si on nous a mis le pendentif, c'est pas pour rien. Du coup, ce qu'on va faire, on va essayer de l'équiper sur Cloud. On perd que 4 et on perd que 2 en force. Donc on va l'équiper sur Cloud, voir si c'est réellement efficace. Allez, on y va, c'est parti. Donc, du coup, ces trucs sont dégoûtants. Allez, on fait un petit enchaînement sur les rats. Allez, du coup... Allez, on se met en état bravoure. Voilà, bim. Par contre, il faudrait l'analyser là, parce que... Vas-y, Barrette. Est-ce que tu peux... Non. Voilà, analyse-le s'il te plaît, avant de l'achever. S'il te plaît. Alors, faiblesse glace. Ces gros insectes aiment les endroits sombres et confinés. Alors, les sorts de magie de glace font augmenter rapidement la barre de choc et se protègent avec une barrière physique lorsqu'ils n'ont presque plus de PV ou lorsque leurs camarades sont tous morts. D'accord. Donc, objet à voler, on peut voler de la soie d'araignée. D'accord. Voilà. Donc, de la soie d'araignée. Ah, là-bas, il y a un coffre. Mais je n'ai pas le matériau volé. Allez, deux super potions. Je n'ai pas la matériau... Merde. Alors, je n'ai pas la matériau volé, on est d'accord. Non, je n'ai pas la matériau volé. Non. Donc, du coup, ça ne me sert à rien. Allez, on continue. Bim. Allez, un petit peu de nettoyage des glaces. Du coup... Je pense qu'on est protégé hein, contre eux. Bon, du coup... On va prendre. Ah merde, je suis immobilisé. Donc du coup, allez, Barrette qui est immobilisé, qui a je pense poison. On va lui faire. Ah, c'est pas Barrette qui a le sort de glace, c'est Tifa. On va faire un choc combustible. Allez, un petit choc combustible. Ça va faire augmenter. Voilà. Et voilà, comme ça on a avancé dans le rapport de combat. Ça c'est très très bien. On va reprendre notre petit Cloud.
parce que vu qu'il est en choc, on va faire un petit choc transperçant. Allez, Tifa, tu vas me faire un petit sort de glace, parce qu'ils sont sensibles à la glace. Et voilà. C'est pas si difficile. Voilà. Donc du coup, on check les alentours. Désolé, hein, si je bouge la caméra un peu vite pour vous. Désolé, je cherche des mots intelligents, mais j'y arrive pas. Allez, hop. Alors attendez, parce que est-ce que je suis... D'accord, on va se soigner un petit coup, hein. On va se soigner un petit coup, parce que là-bas, quand même quelques ennemis. Donc du coup, on va faire un petit sort, un petit extra soin sur Cloud. Voilà. Un petit extra soin sur Barrett. Et voilà, on est bon. On est reparti. Ils veulent ouvrir un parc à insectes ou quoi? Allez, on se met en bravoure. Ah, là-bas, il y a un gros ennemi là-bas. On dirait bien que c'est leur reine, ça. Allez, mets-toi en choc vite. C'est fini pour toi. Allez, d'abord on va éliminer les petits. Et on va analyser. Alors vas-y Barrett, tu peux m'analyser celui-là. Allez, analyse-moi s'il te plaît. Alors, faible glace, lui inflige un certain nombre de dégâts, augmente les chances de le mettre en choc. On peut lui voler une soie d'araignée aussi. D'accord, donc du coup on va... C'est quand tu veux. On va lui faire un petit choc. Tifa va lui faire une petite compétence de glace, puisque c'est ça qui lui fait augmenter sa barre de choc. Allez, elle est presque augmentée, hein, sa barre de choc. Allez, on l'enchaîne. Allez, attention, parce que là... Allez, vas-y Tifa, refais-moi un petit sort de glace sur lui. Voilà, allez, Barrett, tu vas me faire un petit choc combustible. Tu vas rien comprendre. Allez, on y va. On va lui faire une brave, un brave, pardon. Bim. On se remet en bravoure pour contrer différentes attaques. Tifa va me refaire... Elle va me faire un petit sort de glace, allez, pour le finir un petit peu. Allez. Ouais, voilà. C'est bon, il est fini. Elle était énorme, celle-là. La Shinra devrait faire le ménage plus souvent. Ces insectes, ils sont vraiment répugnants. Allez, on fouille. Si rien n'est fait, ils pourraient provoquer un accident de train. Personne ne vient les tuer. Ils le feront après un accident. Mais il sera trop tard, alors. Ouais, c'est vrai, quoi. Ils ont raison, hein. Personne nettoie, c'est là depuis je sais pas combien de temps. Donc du coup on est bien, hein. Pour l'instant on est vraiment bien. Donc on sait que eux c'est la glace, hein. On sait que c'est la glace qui leur plaît pas. Donc du coup, petite caisse, un petit coffre juste là. Oh, de quoi se soigner aussi. Donc du coup on va pas se priver. Allez, 3 queues phoenix. Alors ici il y a rien. Alors ici il y a rien. Il y a vraiment rien. Est-ce qu'il y aurait pas un talisman pour se protéger? Non. Ah, un petit remède, une matéria de remède. Ah, ça serait intéressant. Mais voilà, ça coûte quand même 1500 guilds. Et Vénétie qui inflige la toxine, ça coûte 1500 guilds également. Je pense que on va, voilà, je pense que toute matéria, etc., on peut les avoir plus tard en les trouvant. Donc du coup, on va se reposer, on va pas acheter, on va pas dépenser d'argent. On va essayer d'utiliser le moins d'argent possible, hein, dans ce let's play. Et faire avec ce qu'on a. Donc du coup... Un autre chien. On continue en direction de cette exact. Truffe. Il est vraiment bien dessiné. Ouais. Son petit air de toutou fidèle me donne envie de gerber. Alors ici on voit qu'il y a encore d'autres bébêtes. Ah, il y a un autre ennemi. Lance-flamme, d'accord. Regardez, on dirait bien que la Shinra essaie de se débarrasser de cette créature. Eh ben ils ont pas l'air très motivés. Merde. Pourquoi il fallait que ça tombe sur nous? En plus, il en reviendra forcément d'autres. Faisons ce que nous pouvons et barrons-nous d'ici.
Allez, un petit enchaînement rapide. On va lui faire un petit imbrave sur lui parce que je connais pas. Hein. Je connais pas. Là, voilà, il va exploser. Voilà, terminé. Allez, un petit enchaînement sur les autres. Hein. Forcément. Bim, bim. Voilà. Du coup, on va fouiller un petit peu. Alors. Là, caisse. Bim. Ici, autre caisse. Bim. Un antidote. N'y a-t-il pas un petit coffre camouflé quelque part? Non. Toujours, toujours fouiller les zones. S'il n'y a rien. Ah, attends. Non, il n'y a rien. J'y ai cru. Ah, il faut aller par là du coup. Donc, alors attendez. Il n'y a vraiment rien. Hein. Parce que l'autre côté, je voudrais bien aller l'autre côté, mais est-ce qu'on peut aller l'autre côté? Non, visiblement, on ne peut pas. Donc, du coup, c'est bien par la porte. Allez, on y va. C'est par ici. Faut qu'on fasse le point. On va vérifier où on en est. Ouais, c'est dégueulasse, ça, quand même. Allez. On y va, ok. Il y a un dépôt de train abandonné pas très loin d'ici. C'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Et une fois sur place, on prendra un passage secret. Un nouveau rapport sur Avalanche. Les données de combat sont maintenant suffisantes. Oh. Combien de fois va-t-il falloir que je le répète? Ces rapports n'ont absolument aucun intérêt. Comment dire? Vous avez déjà oublié la guerre contre l'Wutai? En sous-estimant notre ennemi, vous risquez de ternir l'image de la Shinra. Les insouciants qui osent s'en prendre à nous doivent être exterminés jusqu'au dernier. N'est-ce pas de cette façon-là que nous avons toujours procédé? Mais... pourtant... Oh... je commence à avoir l'impression que toi aussi, tu veux être démobilisé en même temps que ces deux bons à rien. Oh. Dans ces conditions, nous allons activer le prototype de la section E. Allez, dépêchez-vous! On dirait bien que je vais pouvoir ajouter un nouvel exploit à mon illustre carrière. Gah ! Bah visiblement, certains soldats ne sont pas d'accord avec ce que font la Shinra. Et il a parlé de prototype dans la section E, dans la section sur laquelle on se trouve. Donc du coup, là, il n'y a plus rien. C'est quoi, j'aurais bien voulu aller de l'autre côté, moi, pour voir. Ah, du coup, ici. Donc là-bas, le chien nous indique d'aller à gauche. Mais moi, je voudrais bien aller à droite, parce qu'à droite, il y a... Tiens, un autre dessin de ce foutu clébard. Ouais, ouais, mais moi, je veux aller là. Même là, il te mène par le bout du nez. Là, un petit truc là. Faut fouiller, hein, Barrett. Je ne t'apprends rien. Donc du coup, bim. Alors. Ah. Un coffre. Des boîtes. Protection en cuir. Alors les médailles de Mog, hein, je pense qu'on va les utiliser plus tard, hein, parce que pour l'instant on n'a pas l'utilité. Alors qu'est-ce que c'est protection en cuir? Donc protection en cuir. Ah bah ça donne deux. Ça donne deux en poignée. Donc est-ce que c'est plus fort que le truc astral pour justement Barrett? Oui. Et ben on va pouvoir lui donner ceci. Voilà, protection en cuir, tout en évoluant les matériaux. Par contre, on va checker un petit peu les matériaux, hein, voir s'ils évoluent bien. Feu évolue bien, PV augmenté évolue bien, ça c'est bon. Bon, ça c'est Ifrit Max, ok. Ah, ça évolue, la protection ça évolue. La direction ça évolue un petit peu aussi, pas beaucoup mais ça évolue. Ça, l'auto-soin, on est presque à 10 fois, donc ça c'est bon. Ça on est presque, et ça c'est bon. C'est bon, ça évolue bien. Pour l'instant, ça évolue très très bien.
Bon, pour l'instant, j'ai pas encore utilisé les protections, tout ça, parce que j'en ai pas besoin. Réellement. Ah! Bonjour! Bah alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous attendez? Mais est-ce que par là... On n'a pas le temps de célébrer. On a le droit d'être content quand même, non? Je suis curieux d'aller par là. Hein. Bah bon, je vais pas faire le foufou, ça a l'air loin. Ça a l'air très très loin. Ah là là, j'ai envie d'aller par là. J'ai envie d'aller par là. Ah bon, tant pis, c'est pas grave. On va suivre le chien. Je sais pas pourquoi, mais t'aimes vraiment pas ce temps de toi. Non, mais c'est pas après lui que j'en ai. Ce qui me débecte au plus haut point, c'est cette image de chien fidèle véhiculée au profit de la propagande de la Shinra. Le pauvre Stamp. Ça me rappelle un des livres de Marlène. L'histoire d'un type enfermé dans un immense labyrinthe. Il cherche une sortie, mais il tombe toujours sur un mur. Suffit de les casser. Tiens, tu dis la même chose que Barrett. Oublie ça. C'est quoi ton problème? Attends deux secondes. Par ici. Il y a des gardes. C'est mieux sécurisé qu'on le pensait. Le dépôt de train est derrière eux. On va devoir s'en débarrasser. D'accord. Bon, du coup, pas de problème. T'inquiète pas. Donc, du coup, je pense que... On peut y aller. Ah, attends. Parce que là, d'abord... Fouillons. Bon, du coup, ici. Alors, parce que ici, attention, hein, regarde. Il y a des caisses, quand même. Voilà. Une petite popo. Deux petites popos. Donc là, il n'y a rien. De l'autre côté, il n'y a rien. De l'autre côté, on est... Alors, on va regarder. Hein. De l'autre côté, il n'y a rien. On est d'accord. Donc, du coup, bim. Du coup, on va aller... Allez, objectif. Ah, donc du coup, alors... On est au courant du moindre de vos faits et gestes. Allez, du coup, petite compétence, enchaînement rapide. Et je pense que... On va prendre... Arrête. Alors Barrett, il va m'analyser les gardes. Alors les gardes sont faibles au feu. Légère résistance à l'épée. Frapper ces gardes dans le dos fera exploser leur réservoir d'essence, ce qui infligera d'énormes dégâts. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, ça, on l'a vu. Allez, on va faire un petit... Voilà, et on va analyser de nouveau les lance-missiles. Lance-missile, faiblesse aux foudres, grande résistance au vent. Seuls les sorts de foudre et de magie non élémentaire remplissent leur jauge de choc. A noter que ce sont les sorts de foudre qui le rempliront le plus rapidement possible. Et on a des sphères de gravité à voler sur eux. Donc du coup, alors, compétences. On a dit extra feu sur garde. Tifa. Tifa, c'était la glace. Donc du coup, on va laisser Tifa faire un petit peu. On va faire monter Barrett. Voilà, Barrett. Attends, parce que lui... On va faire monter... On va faire la foudre sur le lance-missile. Voilà. Par contre, lui, il est dans le dos, donc du coup... Allez, grosse décharge. Voilà, au revoir, merci. Allez, du coup, on va refaire un petit sort de feu sur lance. On va reprendre Cloud, on va se mettre en bravoure, il est en choc. Et on y va, on le massacre. Et par contre, évolution de CV augmentée. D'accord, ça c'est bon. Allez, petit choc. Barrett, tu vas me refaire un petit foudre. Tifa, tu vas me faire un piqué du talon. Voilà. Et on a l'auto-soin d'évoluer. Ça c'est bon. Alors ici on a rien. Attends, je fouille. Hein. Je fouille un petit peu. Attends deux secondes s'il te plaît. Ici il n'y a rien. Donc du coup c'est bon. On y va. On est parti. Et on entre par là. On devrait plus être très loin de ce fameux passage caché. Y a pas à dire. Je trouve que ce plan E est très bien conçu. Et toi, qu'est-ce que t'en dis, l'ancien soldat? C'est grâce à Biggs, pas vrai? J'ai eu mon mot à dire, moi aussi. Soyons prudents, alors. Qu'est-ce que t'insinues, là? Ok, donc du coup, je pense qu'on va arriver bientôt... ici, c'est quoi?
Donc on va aller par ici, parce que c'est par la droite l'objectif. Donc du coup, on va aller par là. L'endroit était abandonné. Eh ben, il n'est pas. Eh ben, on a bien fait. Une petite matéria. Une matéria de foudre. Un petit... Des petites promos. Voilà. Alors, on a une chanson qu'on va prendre tout de suite. Trois super potions. Un éther. Et un queue de phénix. Voilà. Une queue de phénix peut être... Attends, on va regarder s'il n'a pas d'autre chose, lui. Non. Non. Du coup, on va se reposer ici. Voilà. Là, on est bon. Et je pense qu'on va se laisser ici avec cette belle petite musique. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, la suite des aventures de Claude, de Tifa et cette fois-ci, par rapport aux épisodes précédents, de Barrett. Qu'est-ce qui nous attend dans la suite de l'aventure? Je pense qu'on va avoir un boss et je pense réellement que ça sera un boss lié peut-être aux petites créatures qu'on a pu voir. Voilà. On verra bien, j'espère que vous serez nombreux à suivre ce petit let's play. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas le petit pouce bleu qui aide vraiment au petit référencement. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.